Bonsoir à tous les amis fidèles à Island TV. Moi, content ensemble avec nous aujourd'hui pour me porter pour nous premier sorti journal là pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous différents points qui a dominé l'actualité. Ancien premier ministre PIA, sorti 9 mars 2004 pour arriver 9 juin 2006 sous président Boniface Alexandre Blanc. Gérard La Torture qui fait 19 juin 1934 rend dernier souffle bien bonnet matin lundi 27 février 2023 la Cayley en Florida à 88 l'année. Collectif magistrat debout d'Haïti commande annoncé dans note y a campé travail à partir mercredi 1er mars en Cap Vinila à cause premier ministre Ariel Henry pas respecté engagement li te prend en faveur yo 31 d'août à 5 septembre 2022 dans l'idée pour exiger plus bon conditions de travail. Plusieurs monde manifesté dans ville au Caï vendredi 24 février dans l'idée pour capable porter solidarité avec le commissaire gouvernement maître Ronald Richemont surtout à parcours yo manifestant yo te lancer quelques mots en faveur chef à paquet au Kaila et puis profiter lancer un pinga by tout politicien qui t'a souhaité révoquer commissaire grande premier film et chaîne Wedin côté en pile la partie là-dedans te shooté dans ville au Cap avec en pile acteur haïtien et puis cadré au Cap organisé samedi qui était 25 février dans ville au Cap et un travail qui bail espoir si nous voulons quoi déclaration quelques producteurs qui expliquent c'est vrai, yo pa viv Haïti, mais yo ka profiter cinéma pour ba yon lot image des pays d'Haïti. Ça ensemble pour ça yo akan pile lot zanmi téléspectateurs qui pral développer rete branché pas déplacé. Merci là, parce toujours été branché, amis téléspectateurs, mais développement journal là. Ancien premier ministre en PIA, sorti 9 mars 2004, pour dériver 9 juin 2006, sous président Boniface Alexandre, Gérard La Torture, qui fait 19 juin 1934, rend dernier souffle bien bonnet, matin lundi 27 février 2023, la Cayley, dans Florida. Ancien locataire primatia qui était 88 à l'année, était passé un bon temps comme fonctionnaire dans les Nations Unies. Il était ministre des Affaires étrangères sous administration Leslie François Maniga dans l'année 1988. Premier ministre Ariel Henry, qui est ministre intérieur à la collectivité territoriale, remet officiellement programme formation gestion municipale qui développé dans l'intention de tout magistrat et agent municipal dans le département Sidiou. Formation ça entré dans le cadre de décentralisation de l'État qui doit plus bien servir la population. Te gen plusieurs autres magistrats et agents municipaux dans le département de l'Ouest qui étaient présents dans la cérémonie. Locataire primatia a souligné malgré tout problème pays a gagné dans le moment, l'État et l'autorité locale doivent mettre au rendez-vous. En suivant un extrait dans l'intervention de micro Jélin Joassin et Kervin Loriston. Il faut reconnaître que malgré les défis du moment, l'État et les autorités locales se doivent d'être au rendez-vous pour adresser les préoccupations de la communauté et répondre aux demandes de services exprimées. Les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et sécuritaires sont autant d'événements démontrant l'ingéniosité et le dévouement des collectivités territoriales. Il est évident qu'une administration organisée et formée demeure le meilleur atout pour les autorités locales. À cet égard, le programme de formation qui nous réunit ce matin, quoique expérimental, doit être appréhendé comme étant l'un des socles sur lequel sera érigée la fonction publique territoriale destiné à constituer la clé de voûte de nos collectivités locales. Le ministère, dont j'assume la responsabilité, continue d'œuvrer pour doter le personnel territorial des garanties statutaires et salariales indispensables à son renforcement sur le long terme. Estimé à un peu moins de 19 000, les agents municipaux constituent les piliers d'une administration municipale
à revitaliser et à former. D'ailleurs, l'objectif est bien d'étendre cette formation à l'ensemble des autorités locales et de leurs agents répartis sur le territoire national. Il faut dire que cette approche visant à systématiser la formation des agents doit être comprise dans un contexte plus large où les communes haïtiennes sont frappées par une migration importante de ses cadres et de ses ressources qualifiées. Le partenariat institutionnel dont nous jetons ici les fondements préfigure la mise en place progressive d'un réseau de structures de formation prêt à contribuer au renouvellement de nos ressources humaines, accueillir et préparer les collectivités territoriales de demain. Somme toute, la finalité est bien de répondre aux besoins des citoyens et de lutter contre la pauvreté. Est-ce bien nécessaire de rappeler que le développement local s'appuie non seulement sur la participation citoyenne, mais également sur l'implication des institutions locales qui, mieux préparées, seront outillées pour réaliser les arbitrages nécessaires dans le respect de l'intérêt général. L'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès aux services de base doivent se faire avec la pleine participation des autorités locales qui ont vocation à établir le lien entre leur communauté et l'État. À dimanche 26 février 2023, collectif magistrat des Bouts d'Haïti, COMAD, annoncé non note. Il y a campé travail à partir mercredi 1er mars, cap vini là à cause Premier ministre Ariel Henry pas respecté engagement li te prend en faveur yo 31 d'août à 5 septembre 2022 dans l'idée pour exiger une plus bonne condition de travail. Office protection citoyenne OPC nan tête collé ak ministère conditions féminines et droits femmes ONU femmes organisé un forum sur la moun gen santé mentale. Sophie Laurius lui-même qui se ministre conditions féminines parler sous situation yo problème économique insécurité sociale politique qui la cause en pile citoyen atteint maladie mentale tant que dépression psychose traumatisme et la trivi maladie sa yo qui plus fréquent beaucoup de moun qui habitait nan quartier pou en suivant l'intervention du ministre dans le micro Fredine Pierre à Caprice Blanfort. Communication autour de l'impact des conflits violents sur la santé mentale et le bien-être psychologique des femmes et des filles, ainsi sur leur capacité de s'affirmer. Tout d'abord, j'adresse mes vives félicitations à la tête pensante de cette activité et du coup, lui exprimer mes sincères remerciements pour avoir initié le ministère à cette importante activité, laquelle, j'espère déjà, fera date de nos préoccupations. Permettez-moi que je salue tous les autres acteurs et actrices pour leur engagement dans la lutte contre toute forme de violence. Car cette activité qui nous rassemble tous et toutes à travers nos différents champs d'intervention constitue une large mobilisation qui sera, je suis certaine, à la hauteur de l'enjeu. Elle est, quoi qu'il en soit, révélatrice de l'ambition que nous portons collectivement pour la santé mentale de nos femmes, nos filles et de leur bien-être. En effet, il convient de rappeler que la santé mentale est une composante essentielle de la santé. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale en tant qu'un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans un sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être de l'individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Par ailleurs, selon les données de l'OMS qui datent de 2019, en zone de conflit, une personne sur cinq
vit avec une forme de trouble mental allant d'une dépression légère ou d'une anxiété à une psychose. Cette même étude a analysé 5 troubles récurrents dans les zones de conflit. La dépression, l'anxiété, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Ces chiffres sont souvent significativement plus élevés si on les compare à la prévalence de ces maladies dans la population générale. En effet, hors zone de conflit, elle concerne une personne sur 14. Mesdames, Messieurs, nous venons de célébrer les 74 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Malheureusement, depuis quelque temps, le pays vit une période de grande turbulence où des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières sont perpétrées par des individus et ou des gangs armés. Mis à part les premières zones qui ont été l'objet de ces troubles, maintenant, il revient à tout le pays de connaître cette situation alarmante. Yolande Boy, représentant ONU Femmes dans le pays d'Haïti, Sophie Yavarimana, sollicité instance concernée pour penser à un moyen efficace pour aider la population à combattre la santé mentale et à subir chaque jour plus. Pendant l'y faire connaître, c'est presque toute la population qui atteint de maladies, et spécialement femmes actives qui vraiment vulnérables dans la question. En suivant plus de détails, toujours dans le micro Frédéric Pierre à Price Blanfort. De santé mentale, on dirait, elle est reste négligée, elle reste mal connue, et j'ai apprécié l'allocution de Madame la ministre interpellant sur les statistiques. Si vous imaginez que dans cette salle, nous serons 10 personnes qui ont des problèmes de santé mentale et nous sommes venus ici comme participants, nous sommes des malades qui s'ignorent. Et surtout, c'est une maladie. C'est un problème difficile à diagnostiquer parce que c'est une réalité complexe. C'est un problème, une réalité, donc, qui nécessite des réponses conjuguées, des réponses complètes avec la dimension médicale, la dimension sociale, la dimension juridique, même la dimension de moralisation, pour sentir qu'on a une communauté, qu'on a une famille. Et malheureusement, aujourd'hui, grâce à la violence qui sévit dans nos communautés, et en particulier à Cité Soleil, et c'est un parmi d'autres, les familles sont affectées, de telle sorte que l'appui, le soutien qu'ils apportaient aux leurs n'est plus disponible parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien portants. Je salue l'initiative de ce forum aujourd'hui qui permettra à tous les acteurs ici présents d'apporter des réponses complémentaires, de poser des diagnostics, voire quelles sont les réponses qui n'en sont pas encore disponibles, quelles sont les barrières aux filles et aux femmes pour accéder aux soins et aux soins de la santé mentale en particulier. Et quelles sont les réponses appropriées que les experts, les spécialistes de la santé et de la santé mentale en particulier ont besoin d'apporter dans un contexte comme celui de Haïti. Amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause. L'arrêté branché pas déplacé. Merci, là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, mes informations.
Organisation nationale pour famille Lavalas a annoncé une journée de réflexion mardi 28 février 2023 pour toutes victimes tout 2004 dans un contrat social côté divers politiciens tant que Michel Martelly, APED et Latrier t'ai fait partie. Doris Monjean dans micro Frédine Pierre avec Brasse Blanfort pour plus de détails. Qui est 29 février 2004 là qui te cause en pile sans frais accès nous yo t'ai coulé pour conviction la valation. Dans ce sens, le pays d'Haïti continue à vivre, cicatrice 2004, ça, c'est même nouveau contrat social ça, qui continue à craser le pays, plus pendant 19 ans. Ça. C'est toujours même yo qui mettait le pays à côté de l'IA, dans la gangstérisation, dans le kidnapping, dans la criminalité et la trier. Tout le monde ça, yo, te fait partie nouveau contrat social ça tant coup Michel Martelly APED Beke Boulos André Michel Claude Joseph Kaplim Hervé Saint-Ilis Gary Bodo Ariel Henry pour nous citer ça seulement tout monde ça yo tap goumen contre 2004 yo tout passé chef même résultat 19 ans c'est peut-être ça. Tout partisan et tout sympathisant de la famille Lavalas, pas quitter 28 février 2023, passer comme ça, pour ne pas inviter tout le monde dans une journée de réflexion dans la mémoire de toutes les victimes de 2004, de 10h AM pour arriver 3h PM dans le local Midoré. En même temps, coordonnateur plateforme 2004 là, Marcellus Sabetti, qualifié accord 21 décembre 2022 comme une démagogie. C'est un moyen ou une commission transition ça qui mettait sous pied ces mêmes premier ministre là Cap Coiffil. C'est toujours même démagogie. De l'autre côté, coordonnateur a continué pour qualifier politiciens qui plaidaient en faveur accord 21 décembre là comme moun nan Cap Goumen pour remplir poche yo. Pour poste dans l'État. On suit toujours plus d'états dans le micro. Frédine Pierre, grâce à c'est démagogie qu'a fait parce que les grands pays, c'est tout le monde qui chita les pays en danger, qui mettait mais ensemble, qui pouvait, qui j'en sa déroulé, qui j'en pays à Kassouti dans sa lia. Peuple a été rejeté d'Ariel Henry déjà. Jodi a limité. Commission ça le mette sous pied là, madame Anigala dans nous installer, c'est lui même qui a coiffé encore. Ça veut dire c'est tout en l'air tomber en bas, c'est tout en bas tomber en l'air. Ça veut dire pas gagner une différence que Ariel là que le pas là du fait que c'est lui même qui gagne monopole, c'est lui même qui va le chiter, manier cabinet ministériel, il remettre directeur général, remettre ministre. Ça veut dire c'est même bagaille toujours là. Nous même peuple a besoin de débarrasser de Ariel Henry. De pouvoir ça, parce que l'IPAT là pour tout le temps, l'IPA élu, l'IPA gagne aucun redevance envers le peuple là, c'est l'argent qui a fait qu'à boire. Je dis, regardez bien pour nous, que, est-ce que tu as une nécessité dimanche, lundi, mardi, pour te craser, puis combien de millions de gouttes ça, et tandis que le peuple là n'a pas grand goût, blackout partout dans le pays, ça veut dire que qui ça nous parle attendre de commission ça que vous mettez, conseil, transition ça qui sous pied là, qui sont pensés que le bras poté comme un apport positif pour la société à dans sa lié là. Ça veut dire que nous n'avons pas rien que nous attendons de lui. Et tout, il y a beaucoup pour poche, pour l'argent, pour intérêt personnel. Mon sa yo, ce sont des mouns qui impliquent dans la vie, femme sacrée la Haïti, à mettre dans la condition li la, dans la situation que li la. Parce que mou kwe tout moun kap goumen pour pays ya, yo ta dwe faire premier pas, c'est une révolution de conscience. Pour ouwe que si plusieurs moun la te fait manifestation, te prend balle, te mouri, pour Ariel Bala, pas grand rien que fait. Chaque jour plus kidnapping la fête dans le pays, chaque jour plus, qui dou gen kob, qui dou pa gen kob, ou pa ye panye, jodi a la, ghetto ou gen bourreau, population style toujours comme esclave de champ, tandis que c'est commandeur qui gen moyen nan men yo, à travers l'État, à travers secteur privé, qui ba yo monopole là pour empêcher population faire éclatement social là. Jodi a la, son monde al fait un seul avec Ariel Henry, c'est que ou là pour tuer Haïti avec couteau nan mon parce que jodi a ou ka manger, mais vieux sous couteau là, et l'autre qui va ka manger. Ou créer frustration là, kay.
Madame Maniga s'est décidé à décider pour lui il pas gain pouvoir de décision. Du fait que Ariel Henry a coiffé, c'est à travers ça Ariel dit pour le décider. Ça voulait dire on mettait là comme une figure de poux. Mais malheureusement, l'entretête est dans un mauvais moment. Comité Carnaval Commune Port-au-Prince a présenté bilan 3 jours gras qui était baptisé Réconciliation pour la paix qui était fait sous champ de masse là. Porte-parole Comité Carnaval l'a fait connaître. Festivité était passée sans gros incident. Défilé Carnaval l'a été passé très bien tout. Tout en principe était respecté. Il y a bol ici nous lié pour dire monde qui était perdu la ville sous champ de masse là, c'est pas pendant défilé mais c'est après pendant les dénoncer ça cassé là et puis voyez sympathie li by famille jeune garçon si là. En tout plaisir ta dans micro Gadi Bartelmi avec Alex Jean. Et nous avons nous carnaval dans que nous et nous comprenons que nécessité de carnaval avec une couleur et avec un leurre respecté. Donc nous devons ça et nous connaissons que nous devons et plus que tout à que nous avons avec les gens de carnaval constat. Mais avec un mouvement, avec une émulation, même principal de la question de l'année, pour le combattre du carnaval, nous devons avoir un chat de l'ouvrir au carnaval, sans parler que le feedback est très positif, donc tout le monde félicite nous, tout le monde tourne dans la presse, et suivant l'article, suivant les messages, suivant les autres sessions, nous devons permettre de nous regarder, pour faire résister que Port-au-Prince, nous devons être carnaval, bien avec le carnaval, ça. Et c'est peut-être la première édition, mais c'est une édition de capacité dans le mouvement tout le monde qui va continuer à nous. Anissa, dans votre presse, son carnaval, que nous avons enregistré plusieurs cas, il faut rappeler que nous devons département de santé, qui était responsable pour débattre sur les premières nécessités dans le carnaval. Sur les premières nécessités politiques, les cas que nous avons enregistrés, les cas qui nous ont joué nous, et le département ça, nous devons partir par rapport avec plusieurs mais c'est mon tour qui frappe nous. Et c'est pas pendant que les défilés ont commencé, mais quand même c'est des mondes qui nous ont frappé. Encore bien demandé la police dans le deuxième jour, le troisième jour, on a plus accès avec les logistiques qui étaient respectés dans le troisième jour. Et puis il y a un monde qui asthmatique tout et dans mon amour. Qui est jeune assistance médicale. Ce n'est pas pour ça que je vais vous sur sa façon de prévoir et qui a une classe à façon de connaître carnaval, ses contacts. Et dans le monde, c'est des milliers de monde qui sont présents dans le carnaval. Donc, on va comprendre qu'il y a un peu de monde qui subit, alors qui subit de ça, qui frappe par la de ça au moment. Et nous sommes disposés pour être capables de recevoir une nécessité et pour tuer tout. Et dans l'hôpital qui est affilié avec nous. Et puis, il y a des cadres qui sont encore, et c'est par rapport avec maîtrise que la police a mis en mettre. Nous, on est carnaval, mais laissez frapper. Et donc, la police a mis en maîtrise la situation, éviter une turbulence dans le carnaval là, nous, on est, et comment ça, et la police, c'est la police encore une fois. Et puis, tout, mon précision que moi, j'ai été fait par rapport avec un mort qui vient dans le carnaval. C'est pas un monde qui est perdu la ville dans l'ambiance. Ce n'est pas dans l'ambiance, ce n'est pas dans le défi de carnaval, mais le fait autour du carnaval, autour de nous, nous ne pouvons pas. C'est bien dommage que nous-mêmes, tout le comité, nous saluons un monde qui disparaît, donc c'est un monde qui n'est pas et puis qui perd la vie. Donc nous regrettons l'incident, mais ce n'est pas dans l'ambiance. C'est la première fois que nous avons dit carnaval organisé dans mon presse, avec le comité, ça a été une promesse, que nous ne jouons pas tant de carnaval. Et l'autre bord, vice-président du comité carnaval Port-au-Prince, Stevenson Delfort, tout le monde connaît son nom atroce qui fait partie du comité carnaval là. Remercier tous les sponsors qui te permettent carnaval Port-au-Prince là réussir et puis promettre au comité à pas camper tout objectif yo pour mettre quelque content dans mi temps population. Pendant demander à Tissio ensemble avec l'État faire un seul corps pour aider population joindre en tranquillité. En surprise est toujours dans micro Gadi Bartelmi avec Alex Jean. Le président s'est remercié le magistrat de la Constitution Garçon, le
spécialement dans mon pays, parce que nous avons des ambassadeurs, nous avons des courage, nous avons des toutes forces, comme on dit, pour nous contribuer à réaliser un événement. Un événement qui nous permet que ça ait un carnaval, parce que patrimoine culturel pour la quitter le monde. Je veux dire, parce que tout le monde dans mon pays n'a pas eu aucun regret, parce que depuis quelque temps, nous avons tout qui vaut carnaval là. Et ils sont bien là. On sait que le fait de les politiser, ils disent non, ça n'a pas fait. La culture ne peut en aucun cas être politisée. Parce que c'est ça. Et nous n'avons pas écouté tout le monde stressé. Nous n'avons pas écouté tout le monde persuadé. Même parce qu'avec la musique là, nous réussissons à aller en plus de monde dehors, en plus de monde sorti parce que les musiques sont thérapeutiques. Plus de monde ça, nous remercions tout artiste qui participe avec beaucoup d'artistes. Toutes les compagnies qui sont capables d'avoir aidé à tout le monde, nous remercions premièrement mes gars qui ont été mon support inconditionnel. Okay, parce que la PCG qui nous sponsor, c'est mon erreur sponsor. Tout le monde qui nous dit, monsieur, la marche avec nous. Nous remercions les Zolans qui ont formé le carnaval. Nous remercions les fantômes qui ont été avec Médès, qui ont été Saint-Domingue qui ont participé dans le carnaval. Nous remercions les Junior Douleur qui est là avec Sipaï. Ou acteur culturel dans le carnaval. Je suis présent avec moi, nous devons laisser Wong Fam, nous devons laisser DJ Cash Cash, et même Constant, tout le petit Manada, le dernier jour, qui a été nécessité pour y aider et contribuer dans la réalisation de la projet. Pendant le ritual du carnaval, le premier jour, il y a une pile d'adaptations, on se voit pour personne. Parce que moi, on a pile de médias. Online, en plus, nous avons partagé des vidéos qui parlent de dit, pour dire que chaque fois ça va brûler, parce que c'est pas tout. C'est ça qui fait qu'il y a moins de son. C'est ça qui fait qu'il y a moins de son qui vient lundi. Et qui vient dimanche. Mais là, on peut dire que ça a dit, c'est pas vrai, mais débarquer en foule. Vous avez des spectateurs, c'est mon troisième pause là, il était branché, pas déplacé. Merci, là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pour la meilleure information. Plusieurs monde manifesté dans la ville Okaï vendredi 24 février, dans l'idée pour capable porter solidarité avec le commissaire gouvernement, Maître Ronald Richemont. Surtout dans le parcours, les manifestants ont lancé quelques mots en faveur du chef paquet Okaï là, et puis profiter de lancer un pinga par tous les politiciens qui ont souhaité révoquer le commissaire. Correspondant nous dans le site de sous place, en suite pour plus de détails. Tournez Matissan, élève les fonds, si marchand. Choisis la qualité d'une personne sur le terrain.
choisi le monsieur qui appelait Ronald Richemont pour le département du Sud. De la couille à la cachine, c'est pas pour vous, vous allez, vous savez, allez vous la touche, allez vous tout calculer, tout problème ça. Moi, je dis encore, équipe, monde qui l'a radio, ça pourrait monter sous commissaire, elle peut être bonne en deux, pour travailler. Attention, son travail nous fait. Commissaire, il faut chercher la défense à 4 fois, niveau 10. Jan d'annonce le grand titre aux amis téléspectateurs et Echen Nawedi dans ce nouveau film, en pile partie là-dedans, te chute dans la ville au Cap avec en pile acteurs haïtiens et puis cadres au Cap. Fait grand premier lit samedi qui était 25 février dans la ville au Cap. Yon travail qui baille en pile espoir, si nous voulons quoi déclaration quelqu'un pour dicter yo qui explique, c'est vrai, yon pas vivre Haïti, mais yon cap profiter cinéma pour baille l'autre image des pays d'Haïti. Ce bon pali Alex Biti, rappeur, animateur, opérateur culturel, bat bravo la contentement, plus que plus moun ap entré dans la ville au Cap. Et puis, il y a plus d'opportunités pour jeunes faire quoi. En suivant l'une après l'autre pour dicter yo, bienvenue Jean-Louis avec Reginald et puis Alex Biti, assistant dans le micro correspondant nous dans notre Héros de Côte-Dada pour YLN TV. Son poje nous poje longtemps et 12 ans de cela nous fait recourse à Haïti. Mais même avec coach, nous fait recourse entrer à Haïti. So, pour nous-mêmes, nous travaillons pour l'image pays. Dans le sens que Haïti, nous avons bataille pour nous. Vous comprenez? Non, son bail, nous voulons créer, nous voulons pousser. Pour pays à Capaï, c'est son futur lieu pour pays à lorsque nous-mêmes nous haïtiens nous parlons de Haïti, mais nous haïtiens l'homme garde toute image qui a passé dans pays à pour Haïti son bail qui est incroyable. Est-ce que vous comprenez? Les fait tout le monde mal. Sauf si nous avons changé image, ça a fait yo pour pays à son bail qui a vu inexplicable. Est-ce que vous comprenez? Parce que Haïti est un bel pays. Haïti a un beach, un hôtel, un car, un tout. C'est ça qui fait nous faire film là. Parce que tout le monde qui pense de Haïti, il pense que c'est totalement
la boue, tout le monde qui a fait. Nous pas voulons image ça passer dans le monde entier. Nous voulons montrer bon l'autre image de Haïti. Ambiance ça se fait parce que ça m'a fait c'est pour bagaille. Tout le monde qui a compris aujourd'hui, il y a des gens qui a dit ah, acteur yo met plus haïtien, acteur yo fait des frais. C'est pour un bagaille pour son bagaille qui pas qu'à comprendre aujourd'hui, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour comprendre que son côté nous commencer, c'est bon, on a fait première fois, son mari nous va faire première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Vous comprenez? Et même, ici, tout le producteur qui est là, son mari inexplicable. Vous comprenez? Nous voulons travailler pour le pays. Son rêve, nous, c'est pas pour faire comme, c'est pas une seule fois. C'est pas pour faire, hey, oh, nous faisons des choses, hey, non, allez, non. Nous faisons du travail pour payer, pour image payer. Parce que l'homme qui a réussi à passer son grève. Ça y est, moi, grève. Ah, et, nous faisons travail avec tout le jeune, que nous avons un pile de talent dans le câble, que qui devons faire, nous avons un pile. En pile dans jeune qui te fait lead non, le lead caractère non, mais comment on dit ça, comme extra, qui te participé, yo te bien participé, en pile, grand pile et talent que nous avons essayé de développer, et nous venons avec studio que nous construisons dans le Cap-Blanc. Ça investir dans yo, essayer yo, et. Développer et développer net que nous allons utiliser l'aide à tourner pour nous faire l'autre film. Nous pas besoin de l'autre monde, nous pas besoin d'entrer avec l'autre monde, nous allons utiliser tout. Après, créer plus de travail, plus d'emploi. Je salue tous les téléspectateurs, et spécialement les téléspectateurs fidèles de Island TV, et ou même tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous, au Cap Haïtien, dans le même domaine que nous avons, qui c'est créer activité pour inviter tout le monde, touristes, monde international, et enjoy la qualité de la vie au Cap Haïtien. The Haitian Wedding, c'est un film qui est filmé au Cap Haïtien, mais c'est international, qui a 20 images au Cap. Les mousses sont invitées aujourd'hui. Pour le premier film au Cap, parce que ça sont belles bagailles liées pour que tout le monde vienne garder tout bel côté nous gagne au Cap que nous avons et nous pouvons venir à l'étranger pour que l'autre monde vienne au Cap et nous même qui là dans la ville pour nous créer des activités, les gens qui viennent pour que nous jouions des bagailles qui ont fait aller tourner avec d'autres monde encore pour que nous soyons là augmenté. Bon, Andy, vraiment c'est pas un film là et là c'est tellement intéressé nous, mais c'est au Cap qui a fait l'imagerie pour que l'autre monde ouais qui a un bel côté au Cap pour venir. Mais son bel école. Son bel geste qui tout côté dans le pays, c'est au Cap de choisir. Il est arrivé leur bon fait, mais au fait le Cap, c'est ça, son bel respect lié et nous-mêmes nous respectons à cœur. Il a continué à travailler par nous pour que nous mettions d'autres acteurs internationaux venir là pour bonne image pays. Au Cap, c'est la caille, venez au Cap, au Cap, c'est le plus paisible, au Cap, c'est le dernier tir qui a été traité. L'autre information, amis téléspectateurs, la mairie au Cap avec un président comité carnaval au Cap là présenté bilan festivité carnaval est là magistrat Patrick Almonor dit il est satisfait pour gens activité culturelle ça a été déroulé. Il parle tout des hôtels et restaurants qui pas bien côté pour mettre monde plus au Cap à ses destinations touristes dans toute sécurité. Pour l'autre bord, président comité carnaval 2023 Marc Donald la Basile la tournée sous budget yo te gagné quantité cob yo joine ak dette d'après li qui rete pour yo. On suit toujours plus détails dans micro correspondant nous nan nan et autre coup d'ada pour Alain TV. Notre carnaval son débat que l'état fait son d'accord pour nous même nous avons réfléchi pour l'état dans ce sens là son investissement social que nous fait et investissement social ça apparaît que. Et si nous regardons dans tout le parcours là, combien de gens avec bourrette, combien de marchands qui sont sur le qui ont survivre. Et nous assurons que dans le collage, il n'y a plus de parents qui des dettes pour payer pour l'école, c'est à partir du carnaval ça qui va permettre que les jeunes s'y croient de payer le carnaval ça. Carnaval est un événement culturel, un événement touristique, il faut qu'il y ait un peu de monde. Capable de se charger, tout le monde a été full. Restons, quand on a eu un marque, ça se bouge, voilà comment il est possible.
et dans plein de monde pour la première fois qui est venu au camp. Mais je ne sais pas pourquoi forcément les profils du carnaval là, des gens qui sont venus, qui sont des touristes, parce que les cabahissiens, donc pour tout ce qu'on a dit, les gens sont venus, la citadelle, la Labati, la Mole Rouge et la Narratique. Bagaïma, la visite d'Evertia. Ça veut dire que l'ensemble de la société qui est avec l'homme à vivre au Cap, c'est pas seulement enjoy, mais il y a une possibilité. Parce que nous, les Cabahissiens, son ville, son histoire, son patrimoine. Ça veut dire que pour nous-mêmes, les municipalités ont fait un événement sur le carnaval là, c'est pour l'événement politique que nous avons fait. Nous avons fait un événement pour une destination, parce que les Cabahissiens, je dis, sont une destination événementielle sûre, pour que tout le monde qui a fini, vienne enjoy. Et dès qu'il y a des témoignages, dans le monde, dans le monde, sur la diaspora, il dit, si la possibilité de billets d'avion diminuer au moins chaque mois, il y a un cap. Parce que ça, vous voulez, parce que quand on s'en va au Prince, le Prince n'est pas la sortie, c'est là où il y a une joie. Il y a tout hôtel, il marche les rouvres quand vous voulez, 2-3 heures du matin, il y a du carnaval. C'est peut-être une satisfaction à la municipalité. Mais le travail, ça a tout, il paraît possible, sans nous-mêmes comme journalistes, et nous passons les magistrats sur le renseignement. Moi-même, je vais profiter de vous remercier parce que mon travail de sensibilisation, mon façon de la vendre ville comme destination. La première image, je voulais qu'on voit longtemps sur Facebook, je dis à moi qui diminue. Parce que c'est, ça intéresse à faire fier de nous-mêmes parce que nous comprenons le message là. Ça n'a pas là, c'est pas Jamaïque, quand on bandit. Montigobé, il n'y a pas vraiment une question. La question est bandit. Et Montigobé, c'est leur développé comme touriste. Je dis à l'air en Haïti, je vais pas au prince, c'est bandit. Mais pour ça, on va avoir nos cap comme en ville. Normalement, nous te recevoir dans la ville au Cap de Pénibot, 250 000 gouttes. Nous te recevoir de l'État central 15 millions de gouttes. Qui vont au total 15 250 000 gouttes. C'était exactement le montant que nous avons gagné pour nous être capable de faire le carnaval. Dans le détail que nous avons gagné, plus gros chariot que nous avons c'était son qui dépend pendant 18 millions de gouttes pour son, parce que nous avons battu Tropicana 7 ans pendant 2 jours et nous avons battu équipe pendant 3 jours. Son. Nous avons gagné un jugement qui nous avons fait pour 4 000 pour nous équipement que nous avons recherché pour tout le monde pour nous faire. Défilé artistique qui était monté de en affaire de 712 000 gouttes. Nous avons un groupe musical, spécialement Tropicana, acceptant, nous avons 4 millions de gouttes pour séparer entre nous. Et puis nous avons un compact job pour nous mettre là, maillot, cha-cha, chapeau, d'autres choses encore qui étaient montées à faire de 1 158 000 gouttes. Si nous regardons que par rapport à ça que nous rentrons, par rapport à ça que nous dépensons, nous avons dit que nous avons un déficit budgétaire. Pour ça, nous avons fait un déficit budgétaire parce que nous avons parlé avec Merlin toujours, avec Mme Yvose, pour nous joindre différents temps, pour nous joindre différents temps, pour nous capables de satisfaire tout le monde, tout acteur qui était rendu. Carnaval dans un moment difficile, ça possible. Et nous disons que le carnaval qui est vraiment dans une situation difficile, avec toute inquiétude, avec toute la carotte que nous avons gagné, malgré tout l'effort que nous avons fait, nous avons avancé nous-mêmes pour le carnaval qui était mis quelques lumières quelque part, juste pour des gens anti-éclairage. Dans l'interview li bay Alen TV, Jean-Eli Kazo, c'est notre jeune ça qui utilise connaissance li pour faire bouteilles, bracelets pour vendre dans plage publique. Li encourager ti jeune pareil yo créer une activité à talent yo, gagner pour faire l'argent au lieu almandé. Li te parler comme ça dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel Daniel pour Alen TV. Jean-Eli ou c'est un artiste par exemple nous constater gagner des œuvres ou faire là font ti parler de ça yo. Ok, je vais vous montrer.
après ça bien fait et à une toile. Son artiste et ma bande à JB. Ou gen combien de temps depuis ou vendre dans place? Il y a 7 ans, Et comment ça, est-ce que c'est lui-même qui est d'eau, ou est-ce qu'on paye l'école ou est-ce qu'on aide des femmes ou avec? Et je paye des femmes avec, mais c'est lui qui paye l'école, moi, c'est besoin de bagages, c'est lui, c'est avec. Quand on a un matériel pour faire, bracelet, bouteille, quand on a un. Ok, c'est ça, ma quoi l'acheter. Et c'est l'école où aller pour apprendre. L'école, oui, l'école. Ok. Vous dites-nous combien de temps là-dedans? 7 ans. 7 ans, 7 ans. Ok. Donc, même comme jeune, ou pas obligé de faire l'autre activité, mais on fait ça pour prendre soin de tête. Oui, choisir de faire. Quand on prend soin de tête, on a l'école, on a une licence en plus. Comment vous vendez graines? Je vends graines, ça c'est quand même. Par jour, combien vous faites pas de sous-plage? Ok. Combien de jours par jour, les pays ont des bombes de garçons, on 10 000 gouttes. Il n'y a pas de bon, même si ça va faire 3000 gouttes. Ok. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de 10000 gouttes. Donc, on est là où tu es payé à bon? Oui, c'est payé à bon. Il y a bon pour moi et il y a bon pour l'autre monde. Ok. Okay. Est-ce que tu as un dernier message? Oui, message, il y a un bon bail et il m'a toujours dit. Je souhaite, même j'aimerais m'a fait ça tout, je souhaite que le petit monde m'aide à demander, ça va faire bien. Je souhaite que le monde m'aide à demander. Aïe, bien, je choisis d'aider, je suis capable d'aider, mais aïe, bien. Mes téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. Ancien premier ministre PIA, sorti 9 mars 2004, puis arrivé 9 juin 2006 sous président Boniface Alexandre Blanc. Gérard Latortue, qui fait 19 juin 1934, rend dernier souffle bien bonnet matin, lundi 27 février 2023, la Cayley en Florida à 88 l'année. Collectif magistrat debout d'Haïti commande annoncé dans note y a campé travail à partir mercredi 1er mars cap vini là à cause premier ministre Ariel Henry pas respecté engagement li té prend en faveur yo 31 d'août à 5 septembre 2022 dans l'idée pour exiger plus bon conditions de travail. Plusieurs monde manifesté dans ville au Caï vendredi 24 février dans l'idée pour capable porter solidarité avec commissaire gouvernement maître Ronald Richemont surtout par yo manifestant yo te lancé quelques mots en faveur chef à paquet au Kaila et puis profiter lancer un pinga by tout politicien qui t'a souhaité révoquer commissaire grande première film et chaîne Redine côté en pile la partie la dalle te shooté dans ville au Cap avec en pile acteur haïtien et puis cadré au Cap organisé samedi qui était 25 février dans ville au Cap et un travail qui bail espoir si nous voulons quoi déclaration quelques producteurs qui expliquent c'est vrai, yo pa viv Haïti, mais yo ka profiter cinéma pour ba yon lot image de pays d'Haïti. C'est ensemble point sa yo ak an pilote qui te développé, rete branché à Haïti TV pour es programmation. Bonne semaine tout le monde.